Sous la plume d'Emmanuel Carrère, le déjeuner chez l'IP des deux rebelles, Jean Edernalier et Édouard Limonov, est à lui seul un plat de résistance. Très agité, les cheveux en bataille, son écharpe blanche trempant dans son assiette, Jean Edern a raconté à Édouard comment il avait perdu son œil. Une balle russe reçue à Berlin, où son père, le général allié, servait à la fin de la guerre. Pure invention. Il avait de l'accident autant de versions que d'interlocuteurs. C'était une façon de séduire, et les deux hommes se sont entendus à merveille. Chacun avait sa bête noire, qui laissait l'autre indifférent, mais Édouard a poliment convenu que Mitterrand était une crapule, et allié que Gorbatchev en était une aussi. « Tu devrais l'écrire, tiens !» Édouard ne demandait pas mieux. « Il fallait juste trouver un traducteur. Pas besoin de traducteur, je te comprends quand tu parles. Je comprendrai ce que tu écris. » Les verres de vodka scellèrent leur engagement. Édouard Limonov, de son vrai nom Édouard Veniaminovitch Savenko, a tout de même besoin d'un rewriter. Il est tout trouvé en la personne de Philippe Le Cardonnel, qui occupe le siège éjectable de rédacteur en chef. Cet ancien de France Soir voit débarquer à l'idiot le moudjik de Jean Edern. Comme le journal, raconte-t-il, était pauvre, les ventes n'étaient guère brillantes et Jean Edern allié dilapidait sans vergogne les rares bénéfices, nous étions convenus que je lui servirais de nègre contre un repas chaud. Chaque mercredi midi, il venait me prendre au siège du journal rue de l'Ourcq, ses feuillets manuscrits sous le bras, et m'emmenait dans un restaurant russe du 15e, où le patron avait l'obligeance de ne jamais lui présenter la note. Toujours est-il qu'après force Blini pour moi et vodka pour lui, nous nous attaquions à la mise en forme de son papier. Si le mur de Berlin n'était pas encore tombé, l'Empire soviétique rendait l'âme, et Limonov entendait bien abréger son agonie à coups d'édito vengeur. Le coup d'éclat du beatnik bolcho, c'est d'avoir inventé dans l'idiot international le terme « rouge-brun », l'alliance de l'extrême-gauche et de l'extrême-droite, des rouges avec les bruns contre le système capitaliste. À l'image de Jean Edern, qui ne sait pas dans quel camp se ranger, allié n'est pas plus à droite qu'à gauche. C'est un timbré sans foi ni loi, assène Jacques Bertin dans Politis. « L'idiot est un véritable capharnaüm idéologique », écrit Elisabeth Lévy. Didier Deninx dénoncera certaines prises de position extrémistes de Jean Edern allié qui souhaitait réconcilier Thorez et Doriot. L'écrivain de Polar, grand redresseur de tort, n'y va pas par quatre chemins lorsqu'il déclare que sous couvert d'anti-américanisme, d'anti-mitterrandisme, d'anti-sionisme, l'idiot international redonnait des couleurs neuves à l'antisémitisme. Patrick Besson répond à Deninx, souvenir d'une galaxie dite nationale bolchevique, une réponse en alexandrin. Badinguet du polar naguère Deninx dit qu'existaient des passerelles entre le parti communiste et le parti de Monsieur Le Pen. Ce qui fit, croyez-moi, à beaucoup de la peine. Georges Marchais himself en fut abasourdi. Une lettre indignée Deninx reçut de lui, il la transmit fissa au canard enchaîné, qui est par les RG d'habitude renseigné. En se servant de cinq ou six faits anodins, on a fabriqué ce complot de toutes mains. Philippe Solers a parfaitement compris sous quelle bannière s'est engagé son ancien rival de tel quel. Vous savez ce qu'on dit en France de votre journal? L'idiot international serait le nouveau « je suis partout ». Une telle bêtise doit vous réjouir. Être pris pour des fascistes d'autrefois, par des fascistes inconscients d'aujourd'hui, et qu'il aurait été à l'époque de façon spontanée et somnambulique, est un vrai plaisir. Je connais pour ma part au moins 100 philosémites proclamés qui, sans aucun doute, auraient été antisémites avec beaucoup d'entrain il y a 50 ans. On sous-estime toujours la bêtise, surtout quand on est modestement partisan de l'idiotie généralisée, c'est-à-dire de la liberté radicale. Soler s'ajoute « La bêtise ambiante raffole de l'idiot, et pour cause. Il serait d'ailleurs positif d'organiser à l'avenir des échecs plus durs, plus cuisants, davantage de procès, des saisies, en arriver au bulletin clandestin, ou mieux, au silence. » Le silence de l'idiot serait terrible, on n'entendrait que lui. De retour à Moscou, et après quelques séjours en prison, Édouard Limonov, fondateur sous le régime d'Eltsine du Parti National Bolchevique, a été candidat en 2011 à la présidence de la Fédération de Russie. Il sera mis hors jeu par les sbires du pouvoir, qui élimineront physiquement en 2015 Boris Nemtsov, l'un des principaux opposants à Poutine dans le camp libéral. La chapka paternelle sur le crâne, une grenade tatouée sur le bras gauche, une gueule à la Lénine, il a été surnommé « le vieux » par ses gardes du corps. Patrick Besson et Morgan Sportes, des anciens de l'idiot, lui ont rendu visite. La politique est son credo. Jean Edern appartient à son paradis perdu où rôde Satan. Quand Limonov communique par fax avec Charles Ficat, son éditeur à Paris, une des dernières recrues de l'idiot international, il a toujours une pensée pour l'homme de la place des Vosges et de la Boissière. Jean Edern allié n'était ni Robespierre ni Drummond. Plutôt un Don Quichotte qui a jeté son bonnet rouge par-dessus les moulins. Cette lecture était extraite du livre Jean Edern allié, L'idiot insaisissable de Charles Lamy.
paru en 2017 aux éditions Albin Michel. Retrouvez la critique de ce livre dans le numéro 167 de la revue Éléments ou sur le site www.davidlepée.com.